Donc juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous passer un message. Donc j'ai 30€ de bon d'achat à utiliser chez Amazon, chez n'importe quel vendeur. Donc pour gagner ce code, il vous suffit de regarder l'intégralité de la vidéo, parce qu'il y aura un code qui va s'afficher qu'il faudra m'envoyer justement. Et là où il faut me l'envoyer, on en vient. Il faudra m'envoyer le code sur mes réseaux sociaux, donc que ce soit Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, et j'en passe. Il faut impérativement me suivre sur tous les réseaux sociaux pour tenter de maximiser ses chances de gagner. Plus vite vous me suivez sur les réseaux sociaux, plus vite vous avez la possibilité de gagner. Donc je tenais vraiment à dire un grand merci à ce partenariat parce que franchement c'est super sympa. Mais ne négligez pas une chose, c'est qu'il faut absolument me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vérifierai. S'il y a une personne qui est vraiment sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook et j'en passe, il aura plus de chances de gagner que si vous me rejoignez seulement sur une plateforme. Donc je ferai ça à chaque vidéo, donc vous inquiétez pas, vous aurez sûrement une chance de gagner. Et en attendant, je passe au tuto. Yo, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel. Donc dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à filmer votre iPhone sans devoir le jailbreak. Donc avec juste une application sur l'iPhone, donc pas besoin d'ordinateur comme auparavant avec l'autre tuto. Cette application là vous permet donc d'enregistrer votre voix ainsi que le son de votre téléphone ou de tout simplement votre iOS, donc que ce soit iPad, iPod, etc. Il vous permet de filmer donc la caméra frontale ainsi que l'autre caméra, donc la caméra arrière. Donc vous téléchargerez une application qui s'appelle Video. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est Video. Voilà, donc vous avez juste à appuyer sur la touche bleue qui se trouve ici. Vous appuyez, ça va vous la télécharger. Donc une fois l'application téléchargée, vous allez vous rendre donc dans vos paramètres en général. Vous allez descendre et pour ma part, c'est gestion des appareils. Vous aurez application d'entreprise. Ici, vous aurez vidéo. Donc moi, il est vérifié. Donc tout simplement, vous appuyez dessus, vous faites vérifier ou autoriser, je ne sais plus exactement. Et après, vous pourrez donc lancer l'application. Et donc dans cette application même, vous avez différents choix. Donc vous pouvez filmer le son du téléphone, vous pouvez filmer aussi votre voix. Ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez filmer donc la caméra arrière, la caméra frontale, l'écran. Donc pour ma part, c'est juste l'écran, il n'y a pas besoin de filmer autre chose. Et la résolution et les FPS. Donc tout simplement, moi je l'ai laissé en 1080 60 FPS pour vous montrer le maximum de cette application-là. Après, je ne sais pas exactement le poids d'une vidéo en filmant. Et j'ai autorisé aussi donc le dernier élément. Donc j'ai accepté donc le dernier justement pour pouvoir déplacer les fichiers, donc que ce soit le son, etc. dans une autre application. Que ce soit Sony Vegas, etc. pour pouvoir ensuite la remettre correctement et être sûr d'avoir le son plutôt que la désactiver et ça tombe, on perd le son, etc., etc. Je vais vite fait vous faire une démo de cette application-là pour vous montrer la qualité, etc. par rapport à l'autre application que j'utilise pour filmer via le PC, mon téléphone. Donc, vous allez dans votre menu pour voir l'AirPlay. Donc moi, justement, il est sur l'application du PC, donc le Nelly Screen. Et je vais le mettre donc sur l'application du téléphone. Donc, il s'appelle Video... Voilà. Ensuite, je pense que directement, ça se met directement en train de filmer, donc dès qu'on fait un partage d'AirPlay, si je peux dire ça comme ça, ça vous fait directement donc une vidéo, voilà. Malheureusement, le seul problème, c'est que je n'ai pas le son tout de suite, genre le son reste dans l'application, mais je veux dire, si jamais j'ai envie de, je sais pas, de regarder une vidéo par exemple, eh ben, je n'aurai pas le son, malheureusement, elle sera juste dans... dans l'application, voilà, ce qui est un peu malheureux je trouve, mais sinon il faut savoir que l'application est vraiment bien, elle peut vraiment sauver vraiment pas mal de choses si on veut faire des vidéos sur son téléphone, sauvegarder des Snapchats, allez. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours lâcher un like, si elle vous a aidé, vous pouvez toujours vous abonner aussi, ça fait plaisir, commenter si jamais vous avez eu un problème. Donc il faut savoir que ce tuto vient d'une autre personne, donc je la mettrai sûrement en description parce que ce tuto est vraiment pas mal, on peut vraiment faire beaucoup de choses grâce à cette application là. Et en attendant, je vous dis à plus tard, c'était moi Scarf. Bye. Des talons qui sortent de la gova, des bras mecs qui manient le cobra. Igor sort la langue comme Mani, Love, Sosa, oui ma connasse. Tiens goûte la teuf à Adama, crochance mon taga jusqu'en Alabama. Ma peine j'en ta gorge, la gorge à ta femme. Tiens voir la souffrance te dire.